Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle présentation de miniatures. Donc, voilà. Ce qui devait arriver arrive aujourd'hui. Il n'y a plus de Twills à la présentation de mes miniatures. C'est terminé. Hot Wheels, c'est comme Capri, c'est fini. Allez. Alors, il y a à la place 5 blisters Matchbox et 2 blisters Majo. Et on commence de suite avec les Matchbox. La première, c'est une 1964 Ford Fairlane Wagon. Alors ça, c'est du 2018 parce que c'est du 65e anniversaire. Donc du coup, non, c'est 2017, pardon, je crois. Donc c'est MBX Road Trip, la série, et c'est la 2 sur 35. Ouais, enfin bref, l'année, on s'en fout. Voilà, la voici. Et elle est très très sympathique. Une grosse forme bien, bien carrée, hein, comme les formes d'antan, tout simplement. Donc les jantes sont assez sympas, je trouve que ça va bien avec le design de la voiture, hein, ça fait bien ancien. Alors, nous n'avons pas de finition à l'avant, hein, puisque c'est tout chromé. À l'arrière, non plus. Sur le dessus, c'est bien sobre. Il y a juste une petite fantaisie, là, je ne sais pas ce que c'est exactement. La barre couleur chrome... qui est sur la portière arrière. Sinon, c'est un modèle assez sympathique. Hein, j'aime beaucoup ses formes. Voilà pour le premier blister Matchbox. Alors, le second, ça, c'est une 2018 Nissan Leaf. Donc, c'est un modèle super récent. C'est la série MBX Road Trip, la 23 sur 35 aussi. Et elle est super sympa. Nissan Leaf, elle est super belle. Donc à l'avant, on a les finitions. Les optiques, le logo de la marque. Elle est toute blanche. Et à l'arrière, c'est superbe aussi, hein, vous voyez. Tout est fait. Voilà. C'est vraiment un top modèle. La Nissan Leaf. Allez, troisième blister Matchbox. Alors celui-ci, elle est pas mal non plus. Hein. C'est une 2008 Holden VE UT SSV. Alors je ne connais pas du tout cette marque. C'est la série MBX Road Trip, c'est la 16 sur 35, je ne connais pas du tout cette marque. Mais la miniature est assez sympa. La forme, la couleur est pas mal, mais la forme est assez sympa. Donc là aussi, vous voyez, tout est fait devant. C'est nickel. Et derrière, c'est fait aussi, vous voyez. Donc la caisse est vide. Et le châssis que je vais t'en montrer sur les deux premiers modèles, j'ai oublié. Voilà. Voilà pour le troisième blister Matchbox. L'avant-dernier, c'est donc une 1959 Chevy Wagon. Je crois que Technopassion 83 l'a présenté, l'a fait voir sur sa chaîne il n'y a pas très très longtemps. Enfin, il n'y a pas très très longtemps, au moment où je tourne la vidéo. Avec un petit canoë sur le toit. Donc là aussi, là encore, les formes, j'aime beaucoup ces formes anciennes. Mais là, c'est toujours pareil, il n'y a pas de finition. Il n'y a pas de finition, c'est chromé. Là, il n'y a pas de finition non plus. Beau modèle Matchbox, de par sa forme.
Pour les finitions, c'est embêtant. Et la dernière, bah c'est pour moi le plus joli, la plus jolie miniature de toutes les Matchbox que je vous présente aujourd'hui. C'est la BMW 1M. Et franchement, alors elle est superbe. Hein. Il y a tout qui va bien. La couleur est magnifique. Les jantes sont géniales. La forme de la voiture est superbe. Et les finitions sont toutes faites tout au top. Donc ça, c'est vraiment le blister comme j'adore. Voilà ça, elle est vraiment magnifique. Voilà. Voilà pour le dernier blister Matchbox. Allez, on continue et on va conclure là-dessus avec les deux blisters majorettes. Alors la première, c'est une Chevrolet Camaro de la série édition limitée. Je vous ai déjà présenté la Viper. Donc c'est la série 3 de cette série. Et c'est la Camaro. Elle est noire, vous voyez. Voilà. Elle est toute noire. Les jantes noires. Voilà, deux bandeaux jaunes sur le capot, pas évident à voir avec ces grosses boîtes Majo là. Voilà. Et l'arrière, bon bah tout est fait tout le temps. Il n'y a pas de mauvaise surprise de ce côté-là chez Majo. Voilà. Dessous, voilà. Voilà le premier blister Majo et le dernier. Là, je suis super content de l'avoir trouvé. Je ne l'avais pas, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de 2018. C'est une Racing Cars et c'est une Subaru WRX STI. Et j'en ai beaucoup de 2018. Celle-ci, je ne l'avais pas, donc je suis content parce qu'il ne m'en manque que très peu maintenant. Donc elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe avec les jantes dorées. Une tempo sur le côté superbe. Hein. Devant, bah, de toute façon, c'est clair, hein, tout est fait. Il y a des ouvrances et des portières. Derrière, voilà. Elle est vraiment classe. Hein. Voilà. Voilà le dernier blister de cette présentation. Et donc voilà, alors voilà, il n'y aura plus d'Hot Wheels hein, sur ma chaîne, donc c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Hein, voilà. Donc il y aura moins de présentations de blister de ce fait-là, parce que déjà d'une part, des Majo, il en sort moins par an. Et puis, mais par contre, c'est de la qualité, donc la qualité, si vous voulez, fera l'affaire. Hein. Il y aura moins de quantité, mais de la qualité tout le temps. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, salut !